Salut. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle artiste. Donc c'est une artiste qui m'a été suggérée par deux trois personnes dans les commentaires. Et puis voilà, donc c'est comme vous l'avez vu sur la vignette, hein, c'est Angelina Jordan. Je connais pas du tout. D'après ce que j'ai compris, c'est un petit prodige. Hein. On m'a dit ouais, tu vas voir, c'est l'événement dans ce moment. Donc bon, ok, pourquoi pas. Moi, j'attends que ça. Je suis friand de tout ça, moi. Donc bah, déjà la première des choses, hein, qui est Angelina Jordan? Angelina Jordan est une chanteuse norvégienne, née le 10 janvier 2006, interprétant essentiellement en anglais de grands succès du jazz vocal. Ah ouais! Si elle chante du jazz, ça va beaucoup m'intéresser, ça. Ça, c'est une artiste qui va pouvoir beaucoup m'intéresser. 10 janvier 2006, elle est jeune, elle a 17 ans, 18 ans. Ok. Alors donc, en 2014, elle est la gagnante de la sixième saison du concours télévisé d'artistes de scène, Norsk Talenter. Dès sa première apparition dans Norsk Talenter, elle reçoit une standing ovation du public après avoir chanté Sombre Dimanche, dans la version en anglais titrée Gloomy Sunday, qui a été notamment interprétée par Billie Holiday. Billie Holiday, c'est mon son, ça. Non, mon son. Billie Holiday, je connais très très bien. Lors de la finale en mai, elle chante Summertime, chanson extraite de l'opéra Porgy and Bess. Ah ouais, elle est jeune, mais elle s'attaque vraiment à à des répertoires vraiment très anciens. Bah, tant mieux. J'ai envie de vous dire tant mieux. Alors bon, bah, c'est bon, là j'ai déjà une petite idée, hein, donc ça sert à rien que j'aille décortiquer toute sa vie, hein, c'est pas l'intérêt. Bah, on va envoyer le son, hein, donc j'ai choisi Bohemian Rhapsody, donc de Queen. C'est parti! Le décor! La vallée comme ça, là, avec la rivière derrière, là, on se croirait dans un dé décor de la série Viking. Mais bon, en même temps, ça s'y prête. Hein. Ça a l'air assez récent. Attendez. Attendez là, faut que je vais remettre un peu là. Le secret pour écouter une bonne chanson, pour moi, c'est les bases. Donc c'est le début. Si ça part déjà un peu de travers, après, le reste, ça peut être bancal. Allez. Ah, déjà le début là. Guitare. Gretsch. J'adore sa voix, j'adore sa voix. Elle a la soul music là. Merci à ceux qui m'ont dit d'aller voir ce qui était Angelina Jordana. Si jeune comme ça, avec une aussi belle voix, une voix suave. Ouais, je comprends pourquoi j'ai lu qu'elle pouvait chanter du Billie Holiday.
Ah là là, moi je kiffe, moi c'est ça c'est mon son ça, ça j'adore ça moi. Allez. Ça promet, promet hein. Ah, c'était magnifique. Ah ouais, ok. Donc on la voit toute petite là, sur les vignettes. Bah, je pense que j'en referai d'autres avec elle. Bravo, bravo Angelina, bravo. Elle est très jeune, donc pour chanter ce genre de musique, en principe, il faut avoir un petit peu de bouteille, quoi. Et là, Bon, la chanson n'est pas entière, c'est l'équivalent, un peu, je crois, de toute la partie piano du début de Bohemian Rhapsody. Mais bon, c'est suffisant, c'est pour faire connaissance là. Bah, franchement, je regrette pas du tout d'avoir été voir. Là, on a un petit mélange, ça sonne un petit peu avec des petites notes à la Amy Winehouse. On est vraiment dans un son que moi j'adore quoi. Et puis elle l'a super bien fait. Y a rien à dire. Elle l'a super bien fait. Bon, en même temps, elle est jeune, mais elle a quand même des années derrière elle. Donc, si elle chante depuis qu'elle est toute petite, là, comme je peux voir sur une des vignettes, là, il faudrait que j'aille voir d'ailleurs hein, ce que ça devait donner quand elle était toute petite. Bravo, bravo, franchement, bravo. Donc ça m'a directement donné envie de découvrir son univers. Hein, donc c'est d'autres morceaux. Et puis même voir, je vais essayer de voir si elle a ses morceaux à elle en fait. Si on a écrit pour elle, si elle a son propre répertoire. Très très jolie voix, très jolie voix. Et je pense qu'elle a aussi une tenue et puis une prestance, même si elle est jeune. Hein, bah, ça promet. Hein, plus le temps va passer, plus tout ça va se patiner. Pour le peu que j'ai vu, très très grande chanteuse. Mais je vous remercie d'avoir suivi. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!